Tout comme l'ensemble de sa famille, M. Boufous est originaire du Tafilalet, soit de cette région du sud marocain, qui semble à des années-lumière des côtes méditerranéennes et du détroit de Gibraltar, au moins en termes de paysage. Est-ce pour cela que dès sa première venue à Tanger, l'auteur a ressenti comme un éblouissement ? J'ai travaillé à Tanger un peu au milieu de cette décennie, vers les années 2015-2016. Et voilà, puis comme je suis un architecte, j'aime beaucoup marcher dans la ville. Donc ça m'a permis non seulement de découvrir l'architecture extraordinaire de cette ville, mais aussi ces gens qui sont des gens extraordinaires. Et c'est ce mélange, cette ambiance un peu. On est déjà en Europe, on est déjà aussi en Afrique. Donc c'est et ce qui fait que Tanger ne laisse jamais indifférent le visiteur, quel qu'il soit. Le Tanger international des années 20 y est ici représenté comme le ferait un artiste peintre devant sa toile, par couches successives très distinctes, qui partiraient des tons clairs pour aller vers des tonalités beaucoup plus obscures. En fait, c'est un thriller où il y a des espions, il y a des Chinois, il y a des Russes, il y a des Allemands, il y a des Français et des Marocains, bien sûr. C'est un peu un roman un peu à la James Bond, en quelque sorte. Donc, il y a une intrigue. Et je voulais un petit peu, à l'image des romans d'espionnage, de recréer un peu une ambiance un peu interlope, un peu improbable dans ce Tanger. Les chroniques du Détroit que nous propose de lire M. Boufous est déjà en librairie. Il est possible de se l'offrir à moins de 100 dirhams, moyennant la garantie d'y retrouver intact Tanger, la surprenante, plus que jamais capable de se bonifier au fil des ans.